et tous d'être venus pour cet événement avec notre partenaire de Sea Cleaners, événement de ramassage et de nettoyage des berges du lac de Créteil. Merci de faire vivre ce partenariat avec le Sea Cleaners, dont l'association est très fière. On a à cœur également de faire en sorte que, et de bien faire prendre conscience à la fois aux personnes qui nous aident et au public qu'on rencontre, que la plupart des déchets qu'on collecte, ils sont valorisables. Il y a quelqu'un qui a fait une omelette. C'était sûr, c'est des coquilles d'œufs, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a autre déchet? Tu vois? Ouais. Trop de bananes, ça. Ah ouais, il y a un vélo, il y a un vélo. Incroyable ça. Ah bah super. C'est important d'être tous mobilisés aujourd'hui parce que c'est ensemble qu'on arrivera à faire de belles actions et à protéger notre planète, en tout cas la préserver pour les années à venir, et aussi parce qu'on est tous concernés par la pollution. On a trouvé un cache. On a trouvé un cache, mais on n'a rien gagné. On a perdu. On a perdu. C'est un peu de tout. Il y a du plastique, un peu de beaucoup de plastique, un pansement, un floupe, un Mr Freeze, des bâtons de glace, bâtons de sucette. Donc ça va dans. Il y a même un couteau autre déchet qui, tout par ça. Terre. McDonald's. Alors il est posé juste ici. Or qu'il y a une poubelle juste là. On a l'habitude de dire à The Sea Cleaners que un mégot à terre égale un mégot à la mer. C'est les jours de braderie. C'est les jours de marché. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ben, on a trouvé un siège de bébé, un tuyau, une tablette. On a trouvé un tour de cou. On a trouvé un... de voiture. Magnifique, très belle collecte. Beaucoup d'objets insolites. On a une truelle, un rouleau de peinture, un siège auto, un vélo et énormément de mégots. Énormément de mégots. Je voulais vraiment vous remercier. Ça a été une très belle opération. Bon, voilà, pleine. Je pense que ça laissera plein de bons souvenirs. Et puis, voilà les chiffres. Nous avons ramassé pour un total de 78,63 kg, donc ce qui est un très bon score pour clairement une collecte en milieu urbain, sachant que je crois que les services de nettoyage étaient passés ce matin. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous, très clairement, bravo, bravo à tous.